prime en direct de Danse avec les Stars à l'approche des quarts de finale. Ouais, un peu stressée, franchement. Deux chorés, c'est pas mal de pression quand même, mine de rien, pour la première fois. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte parce que les deux chorés qu'on a préparés, ça va être vraiment bien. Avant que Michou arrive, dis-nous, est-ce qu'il a bien bossé cette semaine? Tu peux tout nous dire, il est pas là. Non, en plus, j'ai rien à vous dire de mal parce que vraiment, il bosse très très bien. Donc on a vraiment bien bossé cette semaine avec Bilal et Jordan et tout, ça va être génial. Est-ce que vous avez un nom de team d'ailleurs avec à vous quatre, puisque vous allez faire effectivement un quatuor avec Bilal et Jordan Mouirak. Vous avez trouvé un petit nom de team, tous les quatre? Bah, c'est la team Bijou, on s'est pas trop cassé la tête. Alors là vraiment on est sur un level les amis, la team Bijou, mais c'est extrêmement mignon. Vraiment. Alors dis-nous, Michou il est où? Alors normalement il change. Oui, je comprends, il voulait pas venir en caleçon, ouais, non, mais je comprends tout à fait. Est-ce qu'on a... Alors, Elsa, pour ta première saison dans Danse avec les Stars, est-ce que tu te sens bien dans cette émission? Est-ce que tu aimes être avec nous tous les vendredis soirs? Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise vraiment, Inès, ou pas? On a encore filmé? Non, ça se passe très bien, bah, l'équipe est géniale, enfin, tous les danseurs sont hyper accueillants, même la direction artistique, la prod, tout est vraiment très bien. J'ai pas vraiment de points négatifs à dire... Tu te sens bien? Ouais, vraiment très bien. Eh ben, nous, on est ravis de t'avoir. Tu fais des chorégraphies qui sont complètement sublimes. Tu mets Michou en avant, tu mets Michou en valeur. Et vraiment, je trouve que votre duo a fait une progression complètement incroyable. Vous êtes aux portes des quarts de finale. Ouais. Là, la semaine prochaine, on est en quart. Après, ouais. Demi, après, bon, ben, ça y est, on est la finale et peut-être qu'on va gagner. Waouh. Si on bosse très, très bien, ouais. Mais vous, est-ce que vous bossez beaucoup d'ailleurs? Ouais, cette semaine vraiment on a fait du 9h à 19h tous les jours quoi. Ah ouais. Donc ouais, on a vraiment beaucoup bossé, mais c'est bien parce qu'on voit le résultat du travail au répète, c'est cool. Il est pas trop fatigué Michou? Oh là là, regardez qui je vois là. Ah, qu'il est beau. Alors attention, mon dieu, alors je sais que vous l'attendiez, regardez, le clou, le final. On a, viens Michou, mets-toi là, enfin, mais assieds-toi. Bon Michou, merci de prendre du temps pour ce live TikTok, on est, bah vraiment, on est ravis de t'avoir. Comment tu vas? Avec plaisir, ça va et toi? Bah écoute, ça va, écoute, on est en direct sur TikTok. La vérité, j'ai jamais fait un live TikTok comme ça. Hein. C'est-à-dire? On a un cadreur, on a un micro... Normalement, c'est pas comme ça, hein. Les lives TikTok, tu poses ton télé, c'est basta. Hein. Alors, nous, gros budget sur TF1. Alors là, on a mis un budget, les amis. Mais on savait qu'on allait accueillir Michou. Donc, on s'est dit, on va quand même tout donner. Et puis, Elsa. Donc, tu vois, on s'est dit, on peut pas. Alors, attends. La vraie star de TikTok, c'est elle. Hein. Mais bien sûr que mais c'est une star. Sait pas, mais elle sait pas. Mais en fait, elle sait pas parce qu'elle a pas TikTok. Mais tu n'as pas TikTok. TikTok. Alors, attention, on te crée un compte TikTok. Le chat est témoin. Il y a que des TikTok de Elsa. Hein. Mais il y a grave des TikTok de Elsa, hein, t'es folle. Moi je slide sur TikTok comme ça, je vois Elsa, Elsa et moi, Elsa. Mais tu, Elsa sans toi ou tu te vois quand même parfois? Non, des fois c'est souvent Elsa et moi, mais des fois il y a que elle. Genre en mode, c'est des moments où elle danse en 2018 genre. Bon 2018 c'est pas si vieux Michou, hein. Non, c'est pas... Ouais c'est vrai. Alors attends, Michou et moi on a un petit truc, je vais vous le dire. Je vous dévoile tout. J'adore quand je vois Michou faire ça. Regardez. Alors apparemment ça fait bad boy. On voilà, se dit que notre truc. Pardon. On se dit que à chaque fois que je le vois je fais hey, ça va bad boy. Et il m'a dit non Inès. Ah non je t'arrête tout de suite. Cette semaine j'ai changé. J'ai changé, maintenant je suis un gentleman. Sorry. On évolue. On préfère, évolue. Faut passer des caps. Parce que Elsa m'a dit je préfère les gentlemen. Je me suis dit ok faut évoluer. Mais là c'est parce que t'as vu car de t'as vu. On se projette à la finale. Voilà, bah oui. Mais bien sûr, il faut. On est à la porte des quarts de finale, c'est ce que je disais à Elsa. Ouais. Bon, entre nous, tu flippes ou pas? Bah oui, en vrai. Hein. C'est vrai. Bah oui. T'es stressé, toi, Michou, avant de monter sur scène? Plus trop. En fait, je suis grave pas stressé de toute la journée, mais la minute avant la danse, je suis en mode oh putain. T'es en PLS? Et avec Elsa, on se tient la main. Elle est ultra moite. Nos deux mains sont moites. Bon, bah, écoutez, les amis, merci mille fois d'avoir pris du temps pour ce live TikTok. Je suis sûre que tout le monde est ravi d'avoir pu vous voir. Vous étiez attendus. Hein. Vous étiez extrêmement attendus sur ce live. Et vraiment, merci d'avoir pris du temps. Je vous souhaite le meilleur pour ce soir. Je croise les doigts pour que vous passiez et que vous arriviez en quart de finale la semaine prochaine. Hein merci. Et toi aussi, hein.
Moi, je suis éliminée de la compète, mais regarde, ah oui, mais je suis toujours là. Ah, c'est, il avait oublié Michou. Ah oui, mais t'es là. Tu nous interviews, ça. Mais je suis toujours là, Michou. Mais je suis là toutes les semaines. Je renais de mes cendres, moi, toutes les semaines. Merci mille fois, les amis. Je vous laisse tranquillement. Allez vous préparer et vous êtes beaux comme des cœurs. Et j'y crois pour le quart de finale, Michou, le gentleman. J'y crois, mon petit. Eh bien, écoutez, je crois que ça y est, c'est terminé. On a terminé ce.